La Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées. C'est un récit unique dans lequel chaque histoire, chaque personnage pointe de celui qui est plus grand. Le récit d'Adam et Ève n'est pas seulement une histoire à propos du premier homme et de la première femme. Il y a un Adam meilleur et véritable qui a résisté au mal dans le jardin et dont l'obéissance nous est attribuée. Il y a un Abel meilleur et véritable qui fut tué alors qu'il était innocent, dont le sang crie non pour notre condamnation, mais pour notre acquittement. Il y a un Abraham meilleur et véritable qui a répondu à l'appel de Dieu et a tout laissé, le confortable et le familier, pour marcher seul dans l'inconnu afin de créer un nouveau peuple de Dieu. Il y a un Isaac meilleur et véritable qui n'a pas seulement été offert par son père sur la montagne, mais qui a vraiment été sacrifié pour nous tous. Il y a un Jacob meilleur et véritable qui a lutté et qui a pris le coup de la condamnation que nous méritions, de sorte que nous ne recevons que les blessures de la grâce qui servent à nous réveiller. Il y a un Joseph meilleur et véritable qui, assis à la droite du roi, pardonne ceux qui l'ont trahi. Il utilise son nouveau pouvoir pour les sauver. Il y a un Moïse meilleur et véritable qui se tient entre le peuple et le Seigneur et qui conclut une nouvelle alliance. Il y a un rocher de Moïse meilleur et véritable qui, lorsqu'il est frappé, nous donne de l'eau vivante dans le désert. Il y a un Job meilleur et véritable, le malade souffrant qui est vraiment innocent, qui intercède pour ses amis et qui les sauve. Il y a un David meilleur et véritable dont la victoire devient celle de son peuple qui n'a rien fait de lui-même. Il y a une Esther meilleure et véritable qui n'a pas seulement risqué la perte d'un palais terrestre mais qui a perdu son palais céleste. Il n'a pas seulement risqué sa vie mais qui a donné sa vie pour sauver son peuple. Il y a un Jonas meilleur et véritable qui a été jeté dans la mer pour que nous puissions être ramenés à bord. Il y a un agneau pascal meilleur et véritable, innocent, parfait, tué pour que l'ange de la mort ne passe pas sur nous. Il est le vrai temple, le vrai prophète, le vrai prêtre, le vrai roi, le vrai sacrifice, le vrai agneau, la vraie lumière et le vrai pain. La Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées. C'est un récit unique qui pointe vers une personne, Jésus. Bonjour peuple de Dieu, nous sommes maintenant dans la quatrième semaine de notre série Entre les lettres rouges. Et ce matin, je vais vous introduire un nouveau chant qu'on n'a pas encore chanté à l'église. Le chant s'appelle Gloire à son nom. Il dit: quand je songe à les femmes croient Jésus fut meurtri pour moi, je vois six mains, six pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Au matin,
ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Opérant des miracles, je t'adore.
chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, si ce que tu es, tu ferais chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, si ce que tu es, si c'est ce que tu es. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, si ce que tu es, tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, si ce que tu es, si ce que tu es, Père.
génération sur ta famille et des enfants et les enfants de rois enfants que sa présence environne avec toi à tes côtés et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi dès le matin jusqu'au coucher à chaque pas. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre service ce matin. J'espère que vous êtes bénis déjà à louer avec nous parce que le Seigneur, son esprit est ici avec nous ce matin. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, je veux vous parler de la dîme et la générosité. Voyez, cette semaine, j'ai écouté les ateliers sur le leadership organisés par les Églises Victoire. Et lundi soir, l'un des pasteurs de Moose Jaw, qui est l'une de nos plus grandes églises de Victoire, a partagé sur les finances. À la fin, il y a eu des questions et l'un des pasteurs, Maurice Watson, a partagé à quel point la prédication sur les principes de Dieu est toujours une bonne chose. Il a raconté comment il avait commencé la dîme avant même qu'il ne soit chrétien. Lorsque son beau-père lui a parlé de la dîme et il a pensé que cela semblait être une bonne idée. « Je reçois un reçu fiscal », il s'est dit, « à la fin de l'année, alors pourquoi pas ?»
Et son entreprise, après ça, a commencé à grandir et à grandir. Donc, il a été prouvé dans sa vie que la dîme fonctionne. Alors, lisons Malachie 3, 10 à 12 et recevez cette promesse dans vos vies et dans vos cœurs. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas des produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Alléluia! Amen! Alors, vous voyez, le verset nous dit qu'il nous prouvera. Dieu nous prouvera. Il y a une promesse qui est attachée à ce verset. Pour enseigner à nos enfants ce principe, les préparera pour le succès dans la vie. Que ce soit 25 cents ou 500 $, Dieu bénira l'or lorsque nous obéirons à ces principes. Saviez-vous que l'argent et les biens sont le sujet le plus référencé dans la Bible? L'argent est mentionné plus de 800 fois. Alors, c'est important, non? Jésus encourage une générosité qui semble être une folie et nous motive avec la promesse de récompense. Dieu ne veut pas que vous donniez par peur ou culpabilité. Il veut que vous viviez charitablement par la foi. En lisant les Écritures, vous découvrirez un Dieu aimable et rempli de compassion. Alors que nous le suivons, il nous invite à suivre son exemple et à être gentil et ouvert. Lisez Psaume 41, 1 à 3 et vous verrez que le psalmiste lance le Psaume 41 en reconnaissant l'alliance qui existe entre Dieu et les généreux. Dieu répond à la gentillesse et à la générosité de son peuple avec sa protection, avec la santé et l'abondance. C'est pour leur permettre d'être encore plus généreux. Prions ensemble ce matin. Merci Seigneur Jésus pour tes promesses qui sont oui et amen. Seigneur, nous croyons en ta parole, Seigneur. Et nous sommes un peuple de foi qui donne avec la foi, sachant, Seigneur, que tu t'occupes de tous nos besoins et encore plus, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur qu'on donne ce matin pour ton royaume. Avec joie, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous et bienvenue au Centre de Victoire ici à Sudbury, en direct. J'espère que vous apprécierez la parole de Dieu ce matin et que vous relèverez également les défis qu'elle apporte à votre vie. Au cours des environ 4 derniers mois, le monde a connu toutes sortes de changements ainsi que de nouveaux défis dans leur vie quotidienne. Mais je veux vous donner une petite pépine d'espoir ce matin. La parole de Dieu, la Bible, ne change jamais. Malachie 3, 6 nous dit que « Je suis le Seigneur, je ne change pas. » Dieu est le même tout le temps. Et ceci est une excellente nouvelle en ces jours d'incertitude. Alors, je vais continuer ce matin ma série « Les lettres rouges » et le message aujourd'hui est intitulé « Hey mec, ne condamne pas! » Alors, allez avec moi à votre Bible. On va aller au livre de Jean, chapitre 8. On va commencer de verset 1 jusqu'à 12. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se remit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi
et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire sur le doigt sur le sol, avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Alléluia. Alléluia. Il est facile à dire à quelqu'un qui a été pris en flagrant délit, « Tu es coupable d'avoir mal agi. Honte. Honte. » Je me rappelle quand je disais en anglais, on disait « Honte. » Mais on va dire en français, « Honte, honte, double honte. » C'est pour dire que, waouh, c'est pas bon que ce que tu as fait là. Puis tu te sens condamné. Nous avons tous tendance à regarder vers l'extérieur des autres au lieu de regarder vers l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi? Bien, parce que c'est plus facile et ça dévie de notre propre culpabilité. Regardons à Deutéronome 22 pour une seconde ici. Les autres, il y avait toute la loi, il y avait le support de la loi, mais il n'y avait pas la miséricorde en eux. Voir, on va te montrer ici, vous montrer. Deutéronome 22 nous dit, « Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme, tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. » Regardons maintenant un petit peu plus près à l'histoire que nous venons de lire. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle fut présentée devant tout le monde comme une adultère. Pas une bonne journée pour elle. Les chefs religieux qui l'ont appréhendée étaient impatients de la lapider. De toute apparence, ils ont des motifs scripturaires pour la lapider. Et on vient juste de voir ça ici dans Deutéronome 22. C'est une affaire vite faite, vite résolue. Tu sais, il n'y a pas de problème là, on l'a pris, la loi d'ici, puis... Mais grâce à Dieu, ils ont été ouvrir leur grande bouche pour voir s'ils pouvaient tendre un piège à Jésus qu'il était sur la scène. Ça, c'est un mauvais mouvement, ça. Ça, c'est pas bon. Il y a plus de sagesse incrustée sur le bout du doigt de Jésus que l'ensemble du Sanhédrin complet. C'était une gang de religieux, je peux dire ça comme ça, c'était une gang de religieux qui cherchaient toujours des moyens pour condamner Jésus. Ils écoutaient, ils regardaient et voyaient chacun de ses mouvements en attendant le moment pour dire « Ah! Je t'ai! » Malheureusement pour eux, ce moment n'est jamais venu. Alors, ils demandaient à Jésus « Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? » Et maintenant, la sagesse de Jésus ne répond pas. Voyez ça, elle ne répond pas. Mais au lieu de cela, Jésus se penche et écrit quelque chose sur la poussière du sol que même aujourd'hui, nous ne pouvons pas que spéculer. Seul Dieu sait ce que Jésus a écrit.
Peut-être qu'il se rappelait que Ésaïe 53,6 qui dit. Ésaïe 53,5,6 nous dit: mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous des brebis égarées. Chacun suivait sa propre vie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Alors, comme il pressait Jésus pour une réponse, la sagesse entre en jeu. Ça, j'aime ça. La sagesse n'a pas dit rien. Après ça, la sagesse entre en jeu. Écoutez ces lettres rouges, ces lettres par lesquelles nous devons apprendre à vivre. Il dit: très bien, mais celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Alléluia. Bam! C'est comme ça qu'on fait ça. Tant à faire, cette espèce de pharisien. Ah, mais OK, c'est pas comment qu'on fait ça, là. Mais ça fait du bien de dire, tu sais. Des fois, ça fait du bien. Mais sérieusement, là. Quand j'entends les paroles de sagesse comme ça, ça excite mon esprit. Ça parle aussi à mon cœur. Ça parle à mon cœur. Et ça devrait parler aussi à tous nos cœurs. Je veux dire, qui suis-je, moi, une personne pour juger comme ça? Puis-je vraiment juger sans parti pris? Oui, c'est sûr que je me perfectionne lentement et sûrement, mais je suis encore loin. Le Saint-Esprit s'occupe toujours des choses dans ma vie. Je veux juste être honnête ici, parce que je ne suis pas en place pour être un juge sur les autres. Vous voyez, Jésus était le seul dans la foule ce jour-là qui pouvait, en parfaite justice, exiger la mort de cette femme. Il était le seul qui pouvait, en parfaite justice, la pardonner aussi. La miséricorde a triomphé au-dessus du jugement pour elle, au détriment de Jésus. Ça vous ça? Et la même chose est vraie pour nous tous. Regardez Exode 33, 19, ce qu'il dit. Exode 33, 19 dit: l'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Vous voyez, Dieu réserve le droit de pardonner à qui il veut. Il est le juge parfait. Il sait ce qui se passe dans les parties les plus profondes de chaque cœur humain. Il est la sagesse. Savez-vous ça? Il est la sagesse. Il est la justice. Il est l'amour. Il est la miséricorde. Il est Dieu. Voici une pensée. Lorsque Jésus a vu la femme était honteuse publiquement dans un monde d'hommes, dans un monde d'hypocrisie religieuse, jugée par des juges indignes, prêts à la condamner à mort, peut-être s'est-il simplement dit à lui-même, dans un acte de miséricorde et en tant que son avocat: elle ne meurt pas aujourd'hui, parce que bientôt, je mourrai pour ses péchés et tous les péchés du monde. Vous voyez, c'est un acte de miséricorde et de compassion si je n'en ai jamais vu un. Regardons les lettres rouges au verset 10 et 11 pendant une seconde pour renforcer ce que je viens de dire. Verset 10 nous dit: alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: personne, Seigneur. Et puis verset 11, il dit, Jésus lui dit: mais non, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y désormais et ne pêche plus. Alors, tous ses accusateurs ont voulu la condamner. Mais en vérité, ils n'ont pas pu. D'un autre côté, Jésus était le seul qui pouvait la condamner, mais a choisi une ligne de conduite différente. Puis il dit ça à cette femme. Il dit: moi non plus. Vas-y et désormais ne pêche plus. Vous voyez, il a préféré la vie à la mort.
Il a choisi la restauration plutôt que la condamnation. Ça, c'est un bon temps, direct où vous êtes, de dire merci Jésus pour ta restauration. Parce qu'il a fait la même chose à nous tous. Vous êtes tous dans on est tous dans la même place où cette femme était. On aurait pu être condamné, mais Jésus a choisi de nous restaurer à place. Hallelujah. Maintenant, ça, c'est le genre de cœur que le Christ veut voir en chacun de nous. Ces lettres rouges parlent à tous ces enfants qui ont été achetés par son sang de jeter les pierres de condamnation et d'étendre les mains de miséricorde, d'amour et de grâce. Que nous soyons non sauvés ou sauvés et en train de devenir plus comme Jésus, nous avons toute tendance, nous avons toujours une tendance à juger et à condamner les autres pour leurs actions impies. J'ai fait ça assez souvent. Mais maintenant, je crois que Jésus donne la solution à ce problème de condamnation dans le verset suivant. Regardez le dernier verset ici. Il dit, verset 12, il dit, « Je suis la lumière du monde. » Hallelujah. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Vous devez savoir une chose avant qu'on continue. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes déjà condamné. Si vous lisez Jean 3:18, ça va vous le dire, on n'ira pas là. Lisez Jean 3:18. Si on ne connaît pas Jésus, on est déjà condamné. OK? Pensez-y. Comment pouvez-vous condamner quelqu'un qui est déjà condamné? C'est comme dire à quelqu'un qui est en prison, « J'espère que le juge va te condamner, il va jeter en prison. » Et tata, je suis déjà là en prison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là? Ça fait pas de sens ce que tu dis. Alors, lisez Jean 3:18. Alors, continuons. La parole qui dit « Celui qui me suit », le mot « suit » ou « suivre » Jésus, vivant selon ses lettres rouges, signifie quelque chose de très important. C'est pas juste de le suivre comme on voit des groupies qui suivent des groupes rock. Ici et là, dans l'Europe, durant l'été, ils vont suivre, il y a un groupe un groupe rock qui va aller de ville à ville, cité à cité. Puis il y a du monde qui vont suivre les groupes juste pour faire partie de l'environnement. Ça s'appelle ça des groupies. Ils suivent les groupes de rock. Mais ici, c'est quelque chose de tellement différent. Ça signifie ici, le mot « suivre » dans le grec veut dire d'avoir accoutumé à quelque chose. De savoir accoutumer ou d'être entraîné à devenir plus comme Jésus. C'est bien plus être un groupie, comme j'ai dit. Suivre veut dire devenir. On suit Jésus pour devenir. Il y a une raison qu'on suit Jésus et c'est pour devenir. Devenir plus comme lui. Hallelujah. Ça parle d'une vie. Ça parle d'une une vie totalement nouvelle. Libre de choisir de marcher droit. Marcher dans sa lumière nous donne deux perspectives sur la vie. La lumière et l'obscurité, ou la lumière et les ténèbres. La croissance spirituelle dans tout cela est d'avoir la capacité de voir l'obscurité autour de vous et de prendre la décision de marcher dans la lumière. C'est ça, vivre et suivre Jésus, et devenir comme Jésus, c'est de pouvoir voir l'obscurité qui est alentour de nous et de marcher dans la lumière. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, tout ce que vous voyez est l'obscurité. Ou quand vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas voir la lumière. Mais lorsque vous êtes dans la lumière, vous pouvez voir les deux comme Dieu les voit. L'obscurité et la cécité. Vous êtes aveugle. Quand vous êtes comme ça, comme les pharisiens également connus sous le nom de conducteurs aveugles, votre inclination naturelle est de condamner. C'est ça, quand tu es dans la noirceur, c'est pas plus que ça, tu condamnes. Jésus nous fait savoir aujourd'hui que sa lumière mène à la vie et non à la condamnation. Nous ferions bien de refuser de nous associer au mot condamnation. Ce mot n'est associé qu'à l'ennemi de nos âmes, Satan. C'est lui qui a commencé ça. C'est lui l'auteur de la condamnation. Il a créé le péché et le péché par sa nature. Vous savez que le péché a une nature. Puis la nature du péché, c'est de automatiquement, c'est destiné
à être en dehors de la présence de Dieu, dans l'obscurité totale. C'est pourquoi Jésus n'a parlé que de la vie aux gens. Il n'a jamais condamné personne. La vie, vous voyez, la vie reprend, la vie rajeunit, la vie donne l'espoir, donne la joie et une raison d'être. Alléluia! J'apprends lentement, mais sûrement, que mon opinion ne vaut pas toujours beaucoup. Ils sont de nature temporelle et n'ont pas de siège pour s'asseoir dans l'éternité. Qu'est-ce qu'on dit des fois ici? Ça va pas prendre une place dans l'éternité. Mais quand, écoutez ça, mais quand Jésus parle, que chaque oreille entende ce qu'il dit, parce que ses paroles sont éternelles et c'est sa parole. Alléluia. Là, je vais vous expliquer ce que la lumière représente dans un sens de science, OK? On va parler de la science pour une seconde. La science nous dit que la lumière est composée de trois rayons ou groupes d'ondes, de longueur d'onde, des wavelengths, on appelle ça en anglais. Wavelengths, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. distincts, puis les trois sont distincts les uns des autres, dont aucun sans les deux autres ne serait la lumière. Ça veut dire qu'on a besoin des trois pour faire la lumière. Chaque rayon a sa propre fonction distincte. Maintenant, je vais écouter ça. Je vais vous écouter avec moi parce que c'est très profond ici. Le premier rayon est connu comme un rayon originaire. OK? Puis moi, j'ai vu Dieu le Père là-dedans. Le deuxième rayon formule. Le deuxième rayon allume ou bien manifeste. Ça, c'est Dieu le Fils parce qu'il est venu se manifester. Alléluia. Le troisième rayon consomme. Alléluia, ça c'est Dieu le Saint-Esprit. Regardons le premier rayon encore. Le premier rayon, souvent appelé lumière invisible, n'est ni vu ni ressenti. Ça c'est une bonne explication ce qui concerne le Père. Parce que la Bible dit que personne n'a jamais vu le Père. Le deuxième rayon est à la fois vu et ressenti. Ça, ça représente le Fils. Quand Jésus est venu, le monde l'a touché, ils l'ont vu, ils l'ont ressenti, son amour, sa compassion, tout ce qui était, ils l'ont vu. Ça, c'est le deuxième rayon. Le troisième rayon n'est pas vu, mais écoutez ça, mais est ressenti comme de la chaleur. Jésus dit que ça ne sera pas longtemps quand vous allez être baptisé, Jean-Baptiste dit que, c'est Jean-Baptiste qui dit, que Jésus va venir vous baptiser dans le feu. Ça, c'est du feu, ça, c'est de la chaleur. Alors, le troisième rayon, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, la science vient de prouver que Dieu est lumière. Et sans lumière, aucun homme ne peut vivre. Maintenant, je suis presque sûr que je peux parler pour tout le monde quand je dis que nous voulons tous vivre et ne pas mourir ou vivre dans la lumière au lieu de l'obscurité ou dans les ténèbres. Qui veut vraiment vivre dans la noirceur? J'ai déjà été dans les mines une fois, puis sur le sous-sol des mines et dans les tunnels, puis quand il n'y a pas de lumière, tu vois pas un pouce en avant de toi, tu ne vois rien. C'est ça, c'est l'obscurité totale. Qui voudrait vivre spirituellement comme ça? Un moyen de faire sûr est d'apprendre à devenir diligent dans notre objectif et notre effort à devenir comme Jésus. C'est un processus en deux étapes que j'appelle. Il s'agit, premièrement, d'apprendre à discipliner nos vies à la manière du Christ. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de le faire. C'est simple. On se discipline et on fait. Il est difficile d'être un pratiquant discipliné lorsque vous faites un jour et que vous ne faites pas le lendemain. Un jour, votre chair ne signifie rien pour vous et donc vous le faites. Et le lendemain, votre chair est précieuse et vous disent vous ne pouvez pas toucher à cela. Et quand cela arrive, vous condamnez, vous êtes dans une place où vous travaillez dans la chair et vous condamnez parce que ça fait du bien. Vous mentez parce que vous ne pouvez pas faire face à la vérité.
vous courez et vous cachez, et vous vous cachez au lieu de vous tenir debout et de vous battre. Vous vous détournez comme un lâche au lieu de dire la vérité. Ça, c'est des scénarios. Les scénarios ici sont infinis et peuvent être assez inquiétants. Vous ne inquiétez pas parce que je ne parlais pas de vous. Je parlais de moi. Vous voyez, je peux aussi vous parler de vous-même, ça dépend. Mais ça, c'est entre toi et Dieu et pas entre moi et toi. Alors, je veux vous dire qu'on est dans un processus et on va faire des erreurs, on va faillir. Mais nous devons faire face et de travailler sur nos propres faiblesses, non seulement pour notre propre bien, mais pour le bien des autres. Ce n'est lorsque vous vous transformez que vous pourrez transformer les autres. Si nous pouvons perfectionner l'art de ne pas condamner les autres, alors peut-être, juste peut-être, nous pouvons anéantir le reste de nos désirs charnels qui ont besoin d'une bonne mort. Puis je veux dire ça comme ça, nos désirs charnels ont besoin d'une bonne mort. Tu sais, comme on dit des fois, lui, il a besoin d'une bonne volée. Notre chair, des fois, elle a besoin d'une bonne mort. Alléluia. Les trois mots, moi non plus, c'est des mots simples à retenir. OK? Et retenez ça dans votre esprit comme vos devoirs. Tu sais, je vais vous donner des devoirs cette semaine. Retenez ça dans votre esprit. Pensez à ça. Moi non plus. Vous allez savoir, il y a un test. Il y aura un test cette semaine. Alors, je vous remercie pour avoir venu avec nous autres. Mais si c'est la première fois que vous entendez un message comme ceci, vous ne connaissez pas Jésus, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez devenir un chrétien, vous aimez ce que Jésus fait pour toi. Quelqu'un vous a déjà parlé à propos de Jésus, mais vous n'êtes pas sûr. Mais vous avez entendu ce message, vous savez que Jésus est l'amour. Il n'a pas condamné cette femme, mais il a donné une restauration à cette femme-ci. Ça, c'est le caractère de Jésus. Jésus est l'amour. Et si tu aimerais savoir Jésus encore plus, réalisez, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Il faut savoir que réaliser que vous êtes un pécheur et que Jésus vous aime. Il vous aime assez que son Père lui a envoyé pour qu'il puisse mourir, être crucifié pour toi-même, pour tes péchés. Puis, une autre chose, c'est de se repentir, qui signifie simplement de se détourner. Détournez-vous de la vie que vous vivez maintenant et tournez votre cœur envers Jésus et vivez selon sa parole. Avouez que Jésus est le Fils de Dieu. La parole dit que Jésus est le Fils de Dieu. Romains chapitre 10 nous dit, verset 10 nous dit de, si on confesse Jésus comme sauveur, comme Seigneur, OK? Alors, croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, recevez Jésus dans votre cœur et laissez-lui vivre sa vie à travers de tout. Hallelujah. Alors, je vais le relire encore. Réalisez que vous êtes un pécheur et que Jésus vous aime. Il faut aussi se repentir, qui signifie simplement de se détourner. Avouez que Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. Croyez que Dieu l'a ressuscité des morts et recevez Jésus dans votre cœur et laissez-lui vivre sa vie à travers de vous. Hallelujah. Et vous seulement priez une prière comme ça, et vous allez être sauvés. Le Seigneur vous aime. Alors, prions. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce message que tu m'as donné, Seigneur, pour pouvoir le prêcher, Seigneur, à ton peuple. Hallelujah. Seigneur, la condamnation n'est pas une bonne chose, parce que c'est toujours sur le bord de l'ennemi. C'est comment l'ennemi travaille. Alors, Jésus, tu nous montres qu'est-ce que c'est la miséricorde, qu'est-ce que c'est la grâce, qu'est-ce que c'est le pardon. Mais tu nous condamnes jamais. Hallelujah. Hallelujah. Alors, je te remercie, Seigneur, pour ton grand amour sur cette femme dans cette écriture, dans cette histoire qu'on vient de lire. Et je te remercie, Seigneur, aussi pour le grand amour que tu as envers nous. Hallelujah. Alors, Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Et démontre ton amour et que ton peuple réalise que c'est pas une bonne chose de condamner, parce que qui sommes-nous de
de pouvoir juger comme ça sur les autres. Alors, je te remercie, Seigneur, pour cette leçon ce matin, pour cette lettre rouge, Seigneur, par laquelle on peut vivre une bonne vie en toi, Seigneur. Alléluia. Alors, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et j'espère de vous voir la semaine prochaine. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.